Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous lire la liste complète des défis de la semaine 3 de Fortnite saison 6. Alors il faut savoir que les défis de la semaine passée sont sortis mardi. Moi, j'étais pas au courant, j'ai fait le tuto mercredi. Donc aujourd'hui, je vais préparer les tutos pour être sûr que si demain les défis sortent, vers 16h logiquement, eh ben, je serai opérationnel pour vous sortir tous les tutos et le guide complet. Donc il y a deux possibilités. Soit les défis qui sont sortis mardi passé, c'était un bug, et les défis de cette semaine sortiront effectivement jeudi comme d'habitude, sauf que comme on a avancé les heures, elles sortiront à 16h à la place de 15h. Ou alors Epic Games a changé les jours de défis, donc les défis sortiront le mardi et les quêtes légendaires le jeudi. Alors je ne saurais pas vous dire à l'avance comment ça va se passer, mais au moins vous êtes au courant du changement. Enfin bref, maintenant je vais vous lire la liste des défis. Donc premier défi, c'est la quête légendaire, qui va vous demander de ramasser des œufs colorés cachés un peu partout sur l'île. Donc c'est un défi à plusieurs étapes. La première étape vous rapporte 35 000 XP et les prochaines étapes vous rapportent 24 500 XP. Donc il y a 5 étapes. La première étape est de ramasser 10 œufs, ensuite 20, 30, 40 et 50. Quand vous aurez réalisé toutes les étapes, vous débloquerez plus ou moins 120 000 XP. Alors maintenant, je vais vous lire les quêtes épiques. Donc le premier défi est de voler sur 20 mètres avec un poulet. Alors chacun des défis épiques vous rapportera 24 000. Et pour celui-là, il va falloir voler sur 20 mètres de distance avec un poulet. Comme ça, vous débloquerez les 24 000 XP. Alors, le deuxième défi est de chasser des poulets. Vous allez devoir chasser 3 poulets pour terminer le défi. Alors ensuite, le troisième défi est d'attraper du poisson au camp de la morue, au lac des canoës ou à Stilty Stronghold. Vous allez devoir attraper 5 poissons pour terminer le défi. Alors, le quatrième défi est d'infliger des dégâts avec des fusils à pompe. Et vous devrez infliger 1000 de dégâts pour terminer le défi. Alors le cinquième défi est de réussir des tirs dans la tête avec des fusils. Donc vous allez devoir faire 10 tirs tête pour terminer le défi. Le sixième défi est d'infliger des dégâts à moins de 20 mètres avec un pistolet ou un revolver. Vous allez devoir infliger 500 de dégâts pour terminer le défi. Et le septième et dernier défi est d'éliminer Rapace, Zénith ou Cœur Noir. Donc vous allez devoir éliminer un des trois personnages pour terminer le défi. Donc voilà qui termine la liste complète des défis de la semaine 3 de Fortnite saison 6. J'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulomec et ciao. Peace. Yummy, bruh.